Please be seated. Veuillez vous asseoir. Je déclare l'audience ouverte. Aujourd'hui, la Chambre continue à entendre la partie civile SOU Sotheavy. Après quoi, elle entendra une autre partie civile de TCCP 264. Mr. High Priest reports the attendance of the parties and other individuals to the days of proceedings. Et autres personnes à l'audience d'aujourd'hui. Greffier, le greffier, Mr. President, Monsieur le Président, today's proceedings or parties aujourd'hui, to discuss toutes les parties au procès sont présentes. Mr. Nunchia is present in the holding Monsieur cell Nunchia downstairs. Se trouve dans la cellule temporaire du sous-sol, he has waived his right ayant to be renoncé present à son droit d'être physiquement room. Présent dans le prétoire. The waiver has been delivered le document to the de renonciation a été remis au greffe. Civil party who is to la partie civile today, qui doit achever sa déposition aujourd'hui, Sotheavy, se trouve dans le prétoire. Today we also have a reserved civil party. Il y a aussi une autre partie civile pour aujourd'hui, deux TCCP 264. Je vous remercie. Le président, je vous remercie. President, thank you, Mr. Amhoy. La Chambre doit se prononcer sur la requête présentée par Nunchia. La Chambre a reçu de Nunchia un document de renonciation daté du 24 août 2016. Il est indiqué que l'accusé, en raison de son état de santé, à savoir maux de dos et de tête, ne peut rester longtemps assis. Pour assurer sa participation effective aux futures audiences, il renonce à son droit d'être dans le prétoire en ce jour. Il indique que ses avocats l'ont informé que cette renonciation ne saurait être interprétée comme une renonciation à son droit à un procès équitable, ni à son droit de remettre en cause tout élément de preuve versé au débat ou produit devant la Chambre à quelque stade que ce soit. La Chambre est aussi saisie d'un rapport du médecin traitant des CETC concernant Nunchia, daté du 24 août 2016. Which notes le médecin y relève que Nunchia souffre de maux de dos et qu'il est pris d'étourdissement. Le médecin recommande à la Chambre de faire droit à la demande de l'accusé pour qu'il puisse suivre l'audience depuis la cellule du sous-sol. Based on the above information, par ces motifs et en application de l'arrêt 80% du règlement intérieur, la Chambre fait droit à la requête de Nunchia. Celui-ci pourra donc suivre les débats à distance depuis la cellule temporaire du sous-sol. La régie est priée de raccorder la cellule temporaire au prétoire pour que Nunchia puisse suivre l'audience à distance. That applies for the whole day. And the chamber would like now to hand the floor to à présent, the prosecutor. La parole est donnée à l'accusation qui pourra interroger la partie civile. L'accusation. Good morning, Your Honor's counsel. Bonjour, Madame, Monsieur les juges, chers confrères I'd like to et Madame le témoin. A bit today. Je passe à un autre thème aujourd'hui. Je vais en effet vous interroger sur votre placement en détention dans différents centres. Vous en avez déjà parlé. Vous avez évoqué un endroit où vous avez été détenu à Krangche, si ma prononciation est bonne. Can you tell us approximately when and for how long you were at that? À quel moment environ y avez-vous été placé en détention et combien de temps environ y êtes-vous resté?
It's not Krang Che, but Krang Che. Le procureur cambodgien, il s'agit de Krang Che. I was detained at La partie Krang civile. Che. J'ai été placé en détention à Krang It Che. Was a refashion center C'est un of centre the de rééducation de la and commune. I cannot recall the date of the detention. Je ne sais plus à quel moment j'y ai I été was mis en détention. There for quite a long j'y suis time. Resté pas mal de temps. Do you recall Question. What you saw when you walked in one of your statements you talked about that? Dans une déclaration, Do you recall vous anything ce que on vous the y wall? Avez vu? Vous rappelez-vous avoir vu quoi que ce soit sur le mur quand vous y êtes entré? Guten. On the first day that we arrived, le we knew jour, that we would be sent to the interrogation place. J'ai su que je serais envoyé and, à un endroit où je serais interrogé. Hammers, ribs, tools to remove nails. And des tenailles. If we were asked about letter A, we had to respond about letter A. And if they asked about B, we had to respond about B. Des marteaux étaient suspendus au mur. Si on nous interrogeait sur lettre A, il fallait répondre A et sur B, sur B. Other people Question. Being interrogated. D'autres gens. And, ont été well, first, let me ask you that. Were you aware of others being detained, being question, interrogated? Savez-vous si les autres détenus ont été interrogés? I didn't witness the torture myself. Je n'ai pas there été personnellement témoin de However, at torture. Midnight, I could il y a eu, hear il y a eu, the screaming. Il y avait un lieu de torture. Mais so this à minuit, means that j'ai pu entendre des cris. Interrogation Autrement did not dit, take place, during the daytime l'interrogatoire in evening, n'avait pas lieu en journée, mais plutôt en soirée. Midnight. Plus précisément, à minuit. What kind of Question. People were detained? You know why the Savez-vous prisoners were detained pourquoi at that facility? Des prisonniers y étaient détenus? Quel type de gens y étaient? In fact, I did not know the kinds of people who were detained there. Je ne savais pas quel type de gens y étaient détenus. Men, Il y avait toutes sortes de gens, des hommes, des femmes, des transgenres. However, we were placed in different detention pits. I Nous étions could only speak about those who were detained de in the same pit. Dans des And the area was pretty big. Je ne peux parler que des gens qui When étaient dans la même fosse que moi. C'était assez grand, l'accusation. Vous parlez d'une fosse. Qu'entendez-vous par là? That, refashion center or, Ce centre de rééducation ou cette prison at a pagoda or at a temple. Ne se trouvait In pas dans fact, une pagode. They dug a pit about Une fosse avait été creusée deep, d'environ 5 mètres de profondeur. Let Ensuite, some bamboo trunks in there and some leaves and people were placed in on there. Y a jeté des feuilles. Where was this located, Krang Che? Can you tell us what province it des was Des branches in? De bambou. Question. Or district. Où se trouvait cet endroit? Dans quelle province? Quel district? Krang Che. Krang Che was located in Ankhol commune Krang Che during the Pol Pot était dans la commune d'Ankhol sous le régime and de Pol Pot. And now it is in Borei-Chulsa district. Ça se trouve district. Dans le district de Borei-Chulsa. Previously it was in Auparavant, Treang or Treak province. Kohandaik, province de Takeo. So it was in Takeo province, if I understand C'était donc, correctly. Je comprends bien, dans la province now de Takeo. Subsequently get sent to... Par excuse suite, me, one question about plutôt that. Plutôt d'abord une question. Let me move on, sorry. Non, Did you subsequently get sent Par la to suite, another avez-vous été envoyé prison à une autre prison Phnom San Lung? À Phnom San Lung. Counsel for Kyusampong, Le Président, you had the floor. La défense de Kyusampong, la parole.
Je vous remercie, Monsieur le Thank Président. You, Mr. President. J'écoute attentivement les questions posées par to the questions le put by the co-prosecutor since the start of this hearing. And I note that the detention centers that he is bringing up do not fall within the scope of the trial. It's true that in the context of his statement of suffering, the civil party can speak about the totality of the facts, but here I'm objecting to what the prosecutor is putting questions regarding facts that do not fall within the severance order in any case. Your Honor, it's the prosecution position and key to our case that the torture of individuals, the detention of innocent people, classification as enemies la torture and executions was part of a national ennemis, policy, et leur exécution, and that's partie why d'une politique these nationale. National leaders, Q. C'est justement pourquoi and ces dirigeants nationaux, Mouncha et Que Sampan, en sont responsables. Now, the defense de is willing to stipulate that this was a national défense, policy. I don't need to go into it. But if they are, as sometimes claimed, at least by Nunchea, that these were local decisions, then I think it's important conteste that we at least que briefly c'était une politique nationale. Describe si la défense what happened around the country. Estime and I do promise to be very brief. I only c'était une have décision a few locale, left. Il n'en reste pas moins important d'examiner la situation au niveau national. Je réponds très très brièvement. Well, la question briefly. N'est pas de savoir ce que Monsieur le procureur souhaite aborder, mais the co-prosecutor wishes la to deal with, dans, les, but dont, why dans la manière dont elle est saisie. The donc, chamber si elle n'est pas saisie de fait, nous n'avons pas de raison d'aborder ce fait en question. If the chamber is not seized of these facts, we should not talk about them. It's very clear which security centers fall within the scope of the trial. So if we're going to follow the co-prosecutor's logic, we can speak about everything. In that case, there's no point having a severance order or a closing order. I think we can shorten the debate. We have had a practice so far that as long as it is brief and doesn't go into details, que la question est brève et n'entre pas dans le détail, elle against est autorisée. The background of the national policy issue. Par rapport au contexte so we hope the prosecutor de la question de la politique nationale. J'espère que l'accusation fera comme elle a dit, autrement dit qu'elle sera brève. L'accusation. Quand vous avez été placé en détention, monsieur, à Phnom Samlong, où était-ce? I cannot recall the date because je ne me souviens plus de la date. In a prison and I could not see the day light much. J'étais dans la prison, je ne voyais guère la lumière du jour. For a very limited period of time. Nous ne pouvions sortir que peu de temps. J'ai été transféré de Krang Cheh à la prison de Phnom Samlong, toujours dans la province de Takeo. Question. At that prison, can you briefly describe the conditions that you saw? D'après vos observations, quelles étaient les conditions qui prévalaient dans cette prison? During the réponse. The Pol Pot regime, while I was detained at sous le régime de Pol Pot. Phnom Samlong prison. À la prison de Phnom there Samlong, was a cave and I believe the cave il y avait has been une grotte. Dismantled or damaged. Je pense qu'elle avait été endommagée ou condamnée. Because later on I went there, the cave was en effet, no longer par there. La suite, j'y suis retourné et elle n'était plus là. Mais quand j'étais en détention, break rock, on m'a ordonné de casser de la pierre, un mètre cube par jour, where the broken rocks were sent et je ne sais pas où l'on conduisait les morceaux de pierre. Be deprived of food for that day. Si quelqu'un n'atteignait pas le quota fixé, il était privé de nourriture ce jour-là. Question. Dans quelles conditions dormiez-vous? Est-ce que vous disposiez de lits? There was no single bed for each of us. Pas de lit. They laid bamboo on the ground and du bambou we slept avait été on placé it. And par terre. Nous dormions sur ce our bambou. Ankles will be shackled underneath. We slept in a row nous avions on les chevilles enchaînées. Bamboo.
et nous étions donc alignés et nous dormions ainsi sur ce bon bout. Question. Avez-vous jamais su ce qui était reproché à ces détenus? Réponse. We did not know about the offenses because by that time we stuck to the principle nous n'en savions of rien. Being à l'époque, silent, le principe était and we de se taire. Focusing on breaking the il fallait se concentrer sur son travail, casser des pierres pour atteindre le quota so d'un mètre cube pour pouvoir manger. As one another, nous n'osions pas nous interroger mutuellement sur nos killed. Fautes respectives. Nous avions peur d'être tués. Did anyone disappear question. When you were quelqu'un there a-t-il jamais disparu alors que vous y étiez? Le président, la défense de Gyusampong, je vous en prie. Monsieur le Président, j'objecte à nouveau President, pour les mêmes raisons que précédemment exposées. Là, on est plus dans, on aborde brièvement, on est dans des conditions détaillées sur un centre de sécurité qui n'est pas dans le centre de procès. J'objecte. That does not fall within the scope of the trial, so I object. How many more questions to the security center? Encore combien de questions sur le centre de sécurité? L'accusation. A couple, one or two. Une ou deux. But Your Honor, this is tied in. There's a previous statement from witnesses mais about c'est lié à une déclaration antérieure du témoin, à savoir que cela faisait partie d'une purge. I'd also point out that all of this en outre, occurred, all of these witnesses experience in what Michael Vickery, an expert often cited by the defense, called Michael the Vickery, Pol Pot zone par excellence, the Southwest. Souvent cité par la défense, et beaucoup d'autres témoins ont parlé de ce qui se passait dans la zone sud-ouest. Donc tout ceci est lié à la politique nationale. Des gens ont-ils disparu? Comment l'avez-vous su? The issue of disappearance happened. Sometimes people disappear. Parfois, des gens ont disparu. Every two or three days. Tous les deux ou trois jours, quelqu'un disparaissait. Presumes that the person got sick. Nous supposions que la personne était tombée malade. Nous n'osions pas poser de questions. And of course, we knew that when a person disappeared, nous savions the person was sent for que si quelqu'un disparaissait, cela voulait dire que l'intéressé était envoyé étudier. The term to go for a study session had a different connotation from et que cette expression « aller étudier » avait certaines connotations bien particulières. Avez-vous vu quoi que ce soit, senti quoi que ce soit à l'intérieur? Réponse. At the mountain where we were detained, we sur la montagne, did not witness nous étions anything détenus, because nous n'avons rien observé d'étrange. Was, le site d'exécution was held était the, ailleurs. On hill to the west of the mountain. Il était I knew à l'ouest that de la montagne. Was the execution site, later on. C'est seulement plus tard que j'ai appris que cette colline servait de lieu d'exécution. To, conduct a ritual or a ceremony. Quand des gens y sont allés people pour tenir un rituel, une cérémonie. Quand j'étais détenu, des gens ont disparu. Je ne sais pas si ces gens ont été envoyés sur cette colline et y ont été exécutés ou bien s'ils ont été envoyés étudier ailleurs. Quand nous entendions dire que des gens étaient envoyés étudier, cela voulait dire qu'ils disparaissaient. I'm finished asking you in particular about the security centers. I want to ask you about all of your experiences during the DK j'en ai terminé sur le centre de sécurité. Je vous interroge à présent sur votre expérience en général dans la zone du sud-ouest. Can you tell us, did you encounter ethnic Vietnamese people? Avez-vous rencontré, êtes-vous tombé sur des Vietnamiens de souche et savez-vous ce qui leur est arrivé sous ce régime? នៅខេត្តតាកែវខ្ញុំនៅ
Réponse. Province, dans la province de Takao, je suis resté peu de temps à la coopérative. J'ai passé beaucoup de temps dans une unité mobile. J'ai ensuite été placé en détention en prison. Je n'étais pas au courant d'éventuelles offensives des troupes vietnamiennes. J'ai été relâché de la prison de Samlong. Ensuite, on m'a envoyé vivre dans la province de Kandal. Je n'y ai pas vu de Vietnamiens. Peut-être qu'ils avaient déjà été exécutés. Vers le milieu du régime, quand j'étais dans la province de Kandal, je n'ai pas vu de Vietnamiens. J'ai cependant vu des Cham. Okay, thank you. Question. Sir, what about former Lon Nol soldiers? Qu'en est-il des anciens soldats de Lon Nol? Did you see how the regime, when you were there, quand vous étiez sur place entre 75 et 79, avez-vous vu comment le régime traitait ces gens ou leurs familles? Réponse. Je ne savais pas grand-chose sur la situation familiale des autres. Je connaissais seulement les membres de ma propre famille et j'ai souffert d'avoir perdu ma famille. Mon père avait été soldat de Lon Nol. Tous les membres de ma famille ont été tués, y compris des cousins éloignés et d'autres. When you are members of the families who had members who were former soldiers, they had been killed. 16 of my family members and relatives. Les parents des soldats de Lon Nol se sont fait tuer. J'ai perdu 16 parents. Mon père avait été soldat. Moi-même, j'ai aussi été soldat avant 75. Certains de mes parents ont aussi été soldats. And they were all killed because they tous were accused tués. Of being soldiers ils or ont été accusés d'avoir to family été des soldats members who were soldiers. Ou d'avoir dans leur famille how des did the Khmer Rouge gens ayant été soldats. Learn question. Whether people had family members who had been comment soldiers? Les Khmer Rouges ont-ils su que des gens avaient dans leur famille d'anciens soldats de Lon Nol? There was no need for anyone to report to the authority. Personne n'a dû le signaler aux autorités. Because my father's relatives were officers for des forestry. Des membres de la famille de mon père étaient fonctionnaires des forêts. Plus tard, ils sont devenus soldats. Officers, military officers. Parfois, ils sont devenus officiers. Some members were also intellectuals. Certains membres de ma famille étaient aussi des intellectuels. Ainsi donc, cela était connu. Et c'est pour cela que ces gens sont morts. Des recherches ont été effectuées et on a appris que des membres de ma famille avaient été soldats, enseignants. Ils ont donc été marqués pour exécution. Question. Madame, did you ever witness whether soldiers, whether the Khmer Rouge, avez-vous vu si des kept Khmer lists or collected biographies of ordinary people, ou établissaient la biographie des gens ordinaires, such as your family members, notamment des gens semblables aux membres de votre famille? Not only for the ordinary people, pas some uniquement best people pour also les gens ordinaires. Les gens du peuple de base aussi ont dû établir leur biographie. My family members, including my des mother membres de ma famille, dont ma mère, mon père, because they hoped that, étaient honnêtes. He would be returned to his military mon function, père espérait pouvoir retrouver ses anciennes fonctions militaires. They were honest. And as for some of my siblings, when the regime fell, we ils went to various parts of Cambodia régime, and none survived. Nous sommes partis à la recherche des membres de la famille, mais personne n'avait survécu. One other question, sir. Question.
When you were in San Long prison, à la prison de San Long, did you ever hear about Krang Tachan prison? Avez-vous in jamais Tram entendu Kok parler district? De la prison de Krang Tachan dans le district de Tram Kok? I briefly knew about Krang Tachan prison in Tram Kok. J'ai after I was appris quelque chose San Long prison à ce propos, in order to après go mon to transfert de province, la prison de San Long I was sent overnight to Kandal, stay at Krang Tachan prison. J'ai été envoyé passer une nuit à Krang Tachan. Les Vietnamiens s'étaient approchés du secteur, j'étais passé en détention, je n'y ai logé qu'une nuit. On ne m'a pas laissé loger à l'intérieur de la prison. So you were actually kept outside of vous avez the été prison, placé à l'extérieur that, de correctly? La prison, mais à proximité, n'est-ce pas? Inside the gates, perhaps, but outside the buildings, or could you explain? Peut-être que vous aviez franchi le portail, mais que vous n'êtes pas entré dans les locaux. Pourriez-vous expliquer? Yes, réponse. That is correct. C'est exact. I was sent there as a depositee for overnight. J'y ai été envoyé passer une nuit en tant que personne confiée. Et j'ai entendu dire qu'il n'y avait pas de détenus, mais j'ai su que c'était une prison parce que j'avais été détenu ailleurs. J'ai été envoyé là-bas however, I was not auprès handcuffed. Des forces de sécurité, je n'ai pas été menotté. Des gens de la prison de San Long ont dit à des membres des forces de sécurité de cet endroit que je n'avais commis que des fautes légères et le lendemain, so je suis parti. Question, si vous ignorez la réponse, dites-le. Savez-vous si des gens ont disparu, comment ils ont été traités à Krang Tachan? I did not answer how they were treated. Réponse, as I said, je n'ai pas I demandé comment ils étaient traités. Comme je l'ai dit, je n'y ai passé qu'une nuit. By the time I arrived there from San Long prison, it was quand night je suis four, arrivé en provenance de San Long, because, il faisait nuit. By next morning, je n'ai pas pu apprendre grand-chose parce que le lendemain, I asked on m'a envoyé à Kandal. That, j'ai interrogé les gens sur no place prisons, et ils m'ont dit there. Que ce n'était pas une prison. And only later on when I c'est seulement plus tard, Krang-tachan, quand je suis allé visiter Krang Tachan, some of my family, I found out that some que j'ai of my découvert que certains membres de ma famille there, y avaient été tués. Thank you, Madam Witness. Thank you, Your Honors. I have no further questions. Merci, Madame le Témoin. Merci, Madame, Messieurs les Juges. Je ne pense pas non plus que mon confrère ait des questions à poser. Song Jing. Le Président. I'd like to hand the floor now to the la parole est à présent donnée à la défense de Nguyen Chia. Song Ok Nguyen Chia. Counsel, thank you, Mr. President. Good morning, Your Honours. Good morning, everyone. Merci. And good morning. Bonjour, Madame, Monsieur les Juges. Madame Civil Party. Madame SOU Sotheavy. I am the National Counsel for Nguyen Chia. Je salue toutes les personnes ici présentes. Madame and la partie civile, je suis l'avocat cambodgien de Nguyen Chia et j'ai des questions à vous poser. I'd like to answer some questions in relation to your background. Des questions concernant votre parcours personnel. Hier, vous avez dit qu'avant 1975, vous chantiez dans un bar. Toutefois, à l'instant, vous avez dit avoir été soldat de l'ONOL. Did you perform any other tasks or did you have any other jobs besides these two? Hormis ces deux
a movie actor? Avez-vous exercé d'autres, par exemple, acteur de cinéma? Réponse, non, je n'ai pas été acteur de cinéma à cause de mon physique, mais j'ai été chanteuse. Je savais chanter et je savais aussi me produire dans les pièces de théâtre traditionnelles. Je n'ai pas fait de cinéma. J'ai été soldat avant 1970, vers 68-69. J'ai été infirmière à l'armée. Je pourrais vous raconter beaucoup de choses, mais en bref, je peux vous dire que tous les membres de ma famille ont soit été soldats, soit enseignants. And I was a bit different from the rest of my family members, as my education was rather limited. Parce que je n'avais reçu que peu d'instruction. I finished my education in 1960. J'ai quitté l'école en 1960. In, my study in the Ensuite, School of Arts. Je suis allé étudier à l'école artistique. Question, thank you. I move on to other areas that is in relation to the period prior to your marriage. À savoir la période antérieure à votre mariage. You said that in February 1977, there was a policy that people were required to get married. Les gens ont dû se marier to get married. Dans le cadre d'une politique. Can you describe to the chamber about the marriage policy on the regulations on marriage? Qu'en était-il de la politique relative au mariage et qu'en était-il de la réglementation du mariage? I made mention of the marriage regulation yesterday that it started from February 1977. And I also stated yesterday that I only heard about the arrangement for people to get married by that month. The dudes were required to get married. And only later on, I knew that the policy actually existed, but I was forced to cut my hair. And finally, it happened. A few months after, et puis quelques mois plus tard, enfin, c'est arrivé. I was forced to get married, and whether I consented to the marriage. Que j'ai and I told the court about that, that I was, that my mother was very old, and if I got married, who's going to look after my mother? Si je me and I was told that Anka would take, would look after my mother, and that Anka required me to get married. And I kept asking for a delay. Je n'ai eu de cesse de demander à and that repousser. Happened during the initial period. Le mariage, voilà ce qui s'est passé pendant and la période finally, initiale. I enfin, got married by force in August 1977, and between February to August, I had been threatened on several occasions. I was threatened that I would be killed or I would be sent for a study sessions, but I cannot recall all the details. Council, please avoid repetitive questions. We have heard all of that. I don't want to get into the same thing we had yesterday. Please, no questions that have already been answered. Je ne veux pas que les mêmes questions que celles qui ont été posées hier soient à nouveau posées. Yesterday, I heard you stated that you were forced. So who forced you? J'ai entendu hier que vous avez été forcé de vous marier. Qui vous a forcé? Counsel, if you have specific questions that go beyond what we have heard yesterday, ask them. But we are not here to hear the same story again and again. Hier, alors n'hésitez pas à les poser. Mais nous ne sommes pas ici pour entendre répéter la même histoire. Good morning, Mr. President.
working? Good morning, Mr. President. Good morning, judges. It's our understanding that it's Nunchi's fundamental right to test the evidence against him. And sometimes the way to do that is eliciting questions which may sound repetitive in nature, but sometimes we have different answers. We heard that earlier this week. I think on occasion I asked the exact same questions as the international co-prosecutor and got different answers. We think that this is our fundamental right. And in any case, my understanding is my colleagues' questions are with some nuances different to the questions that have already been asked and are intended to test the evidence. We think this is perfectly within Mr. Nunchi's fundamental human rights. As I've mentioned yesterday, obviously there is a right of the defense to test the evidence. On the other hand, repetitive questions are forbidden under the law. And I didn't see any nuance. I heard the same question I heard yesterday. So convince me that there are nuances. I don't go with what you said. It must be allowed to ask the same question again and again until we get different answers. Otherwise, the prohibition against repetitive questions wouldn't make sense. So to clarify that, repetitive questions are forbidden, 87.3, that's the law. If there are nuances, by all means, I didn't hear any nuances so far. Sont interdites. Je n'ai pas entendu de nuances jusqu'à présent. Et tel est le droit. Lawyer. Thank you, Madam Judge. Perhaps I did not get the answers yesterday. Yesterday I did not hear the name of the unit chief who said that the was the person who forced the civil party. So I'm here to elicit evidence so that the chamber has full information, and I will move forward if you are prohibiting me from asking such a question. Mr. Civil Party, concerning the policies about the marriage, where and when did you hear such policies? Madame la Partie Civile, en ce qui concerne la politique, où et quand en avez-vous entendu parler? Answer, I told you yesterday already. On 17 April, people were not regularly invited to a meeting. When they were called to a meeting, that means they were to be killed or they would be used. So the meeting that we were invited to was the day that we had to get married. Although the chamber prohibited me from telling the name, I would tell you now. I did not know the name or names of the one or ones who forced me. And concerning Tamok, the leader of the country was used a different name, and Pol Pot had an official name that is Salot Sor, so I could not tell you the exact names. Some of those people were referred to by Ankor and or Kadri. What I am answering here, I am courageous to responsible for what I said. I only tell the truth. Lawyer, thank you. Yesterday, you made mention that you and your wife had a prior discussion before the marriage. You told her, and she told you to have the scarves on each other's head. So what did your wife respond to you when you told her about using scarf? Lorsque vous lui avez parlé du port de Krama, que vous a répondu votre femme? Answer. It is difficult for me to inform and tell you, Mr. Lawyer. Maître, il est difficile I told you already that my wife and I were living in the same village and in the same unit. We were orphans. We had pity on one another. So I took chance to have a prior discussion, and if it was found out, we would have been killed. I told my wife to wear the scarf on her head, and I would wrap the scarf around my neck.
I told you and the chamber already yesterday, and if you still did not get the answer, I do not know how to help you. Lawyer, my apology, Mr. Civil Party. I want to know about the response from your wife. So what was her response when you made such a request to her to wear the scarf on her head? I told her about that, but at the time she kept silent because she was a shy woman. I told her that we were orphans, we had no parents, so we should do like what we discussed. Nous devions agir selon I did not have chance to chit-chat with her like the present situation when we go and discuss and chit-chat at the cockpit or Riverside. As I said, I told my would-be wife to wear the scarf on her head, and I would wrap the scarf around my neck. And I did not have chance to have a casual conversation or chit-chat with her. I was so painful at the time. La situation était difficile pour moi. Lawyer, thank you. Yesterday you stated that l'avocat de la défense. The marriage was arranged for you, for both the new and older people. Avait été arrangé à la fois pour You stated that your unit chief was was in charge of the 17th April. So what was his or her origin? Or was he or she from 17th April people group? Ce chef appartenait-il au groupe des gens du 17 avril? Answer. You repeated your question, Mr. Lawyer. And for me, during the marriage, I was much with the 17 April female. So you asked me the same question. You asked about the would-be wife that I had to marry. In fact, we could only marry a man or woman from the same group, that is 17 April or 18 April people, respectively. It is a repetitive question. However, I am happy to answer any kind of repetitive questions. Lawyer, and my next question, how many people were under the charge of the unit chief? Combien de personnes étaient placées sous la responsabilité du chef d'unité? Answer. I do not know, Mr. Lawyer. I do not know how many people under the responsibility of a male or female unit chief. I do not know how many groups were divided into. At the time, I did not have a right to stand and have a casual conversation, and the same applies to the unit chief. I did not have time or have right to discuss with my mother. I do not know, Mr. Lawyer, how many people were under the responsibility of the female unit chief or male unit chief. They had a respective number of people to be control of. And even the unit chief themselves did not dare to poke into one another. Business. They had different tasks to perform. Men and women did not dare to discuss with one another, even in the same unit. If we were found to have a discussion with one another, we would be considered having committing moral offenses, President. Mr. Civil Party, you may only respond to the limit of the question. The answer saying no or yes is considered your answer already.
You may now proceed, lawyer. Lawyer Liu Sovana, I would like to resume my questioning, Mr. President. Yesterday, you stated that during the ceremony, wedding ceremony, there was lamppost or lighting on the small hill. Was that lighting turned on regularly? D'une petite colline. Est-ce que ces lumières étaient allumées régulièrement? I did not know whether the electricity or lighting was used on a daily basis, but on that day there was electricity or lighting in the ceremony. À ce moment-là, pendant la cérémonie, il y avait l'électricité. Il y avait de la lumière. Question. Yesterday, you stated that you were required to stand in two rows, and you were hier, in the seventh row. Prendre place en rang et que the vous étiez and second dans le row septième rang, le premier rang et le deuxième based rang. Old people. C'était des gens de base ou des gens. So during the time, were people required to stand in rows, mixing des with gens one another? Âgés. Donc so les how gens was the division of groups? Devaient, comment était la division, la séparation des groupes? Answer. New people were to get married with the new people, and the old was to marry the old people. And I was already considered or assigned to marry which woman, une personne, une femme. Lawyer. At the time, you stated that there were 107 couples, and 80 of which vous avez dit were qu'il y avait new people. Dont 80 étaient des gens du peuple nouveau. So I would like to ask you, how many rows were there at the time? Combien were de there rangées only y two rows, or deux rangées? How many rows? Combien de rangées y avait-il? The old people were told to stand in their own rows, and we were required to stand in our own rows. De se tenir debout en rang, et nous devions nous tenir debout dans nos propres rangs. Question. In the ceremony, the wedding ceremony, you yesterday told that commune chief, cooperative chiefs, and village chiefs were attending the ceremony. Did some of those people address the crowd? Certaines ont-elles pris la parole devant l'assemblée? I told you already. Speeches were made. Je vous l'ai déjà dit. Des discours ont été prononcés. Ils ont dit. Anka was happy to marry a wife or a woman to you, and in order to return the gratitude as children, you had to get married. Et donc, en tant qu'enfant de Lankar, and we were required to produce children. Accepter de se marier, et nous devions également fournir des enfants, produire des enfants. Question. Did one person address the crowd, or were there many attendees or people addressing the crowd? And did you record the names? N'y a-t-il qu'une personne avoir pris la parole, ou d'autres personnes, d'autres participants à la cérémonie ont-elles pris la parole? Answer. Vous souvenez-vous I cannot recall their names. Je ne me souviens pas de leur nom. I said already, I do not recall the names of any chiefs. If I see them, I would recognize. En revanche, si je les voyais, however, je les at the time, I was not told of their names. On ne m'a pas dit quels étaient leurs noms. Question. So how many people, again, addressed the crowd? One, donc, two, nouveau, or three? Demande la défense, combien de personnes ont pris la parole? Une, deux ou trois? Answer. To my best knowledge, there was only one
person addressing the crowd. That person was referred to as Ta, and he grabbed the microphone and spoke at the time. I would like to know, through your observation, were question. The people who were to get married used scarves si as well. Les autres personnes appelées à se marier portent également les chromas. You are talking about the children or scarves, lawyer. Réponse, vous parlez des enfants, you vous parlez stated des that you had a scarf wrapping around défense, your neck and your wife are wearing the chroma on her head. Coup, I would like to know whether other people used scarves si as well at the time. Présentes, elles aussi portaient l'écharpe. Answer regarding chroma or scarves. Réponse, en ce qui concerne children le chroma, had chromas as well, so everyone had l'écharpe, them. Les enfants aussi portaient un chroma, donc tout le monde avait un chroma. Question on the wedding day. Question. Where did those couples place their chromas? Could et you le jour elaborate du mariage, les couples, about that? Comment portaient-ils l'écharpe? Où la portaient-ils? Que pouvez-vous nous dire? I find it difficult to explain you, Mr. Lawyer. Réponse, maître, c'est difficile de vous répondre. They wrapped chromas around their necks. Ils avaient l'écharpe autour du cou. What about the women? Question et les femmes. Did they also wrap a chroma or scarves around their necks as well? Portaient-elles également l'écharpe autour du cou? I told the chamber already that all of us wrapped chroma or scarves around their necks. However, we used a different technique, different way to wear chroma around our neck and head. Ou sur la tête. Question. When question. You were required to queue, did you at the time looking de faire la queue. Look for your wife? Est-ce que vous avez dû chercher votre femme? Answer. If I was not looking for her, how could I find where she was? So si I was looking at her at the time. Donc oui, je la regardais à ce moment-là. Because there were 80 couples standing in lines. I would like to know the position of her standing. Did she stand in front of the rows or lines, in the middle or at the back? Au début, ou plutôt à l'avant des rangées, au milieu, ou plutôt derrière? Answer. Not 80 couples, Mr. Lawyer, réponse, please state it correctly. There were 107 couples, 80 of which were the 17 April people. Not des gens du 17 avril. 80 couples were to get married. Donc, so it is difficult for me to answer your question. 80, if you are asking about 80 couples, si I will now answer the couple, question accordingly. I, at the time, was looking at her to see where she was standing. Exactly. Lawyer, let me clarify that point.
I use the term 80 couples because you stated that the couples were put in two groups. Two groups. One was the 17 April group, and the other one was the older people group. So, could you clarify that for the chamber? How many groups were required to queue at the time? Prendre position dans une file. I informed the chamber already. Réponse. 80 couples were standing close to each other, and we were required to have two lines. Et nous devions former deux lawyers. I am certain now, so my question is about your position of your wife at the time. Where where was she standing? Did she stand in front of the line, in front of other, in the middle, or at the back? Début, au milieu, ou à la fin, plutôt, de cette queue? Answer. We were standing close to one another. Réponse. Nous étions côte à côte. Question concerning the lines, were the lines close to one another, and could you clarify that for me when you stated that you two were standing close to one another? L'une de l'autre, et pourriez-vous être plus précise lorsque vous dites que vous étiez côte à côte? I do not know how to explain that to you. I told you already that there were two lines, and I and my wife were standing close to one another, so what else can I tell you? Nous étions debout, proches l'un de l'autre. Que voulez-vous que je vous dise de plus? Question. For example, you stated that you were in the seventh row. So counting from the front, you were in vous avez the par exemple seven. Dit que vous étiez au septième rang, c'est-à-dire so qu'à partir du you premier tell rang the devant, chamber, vous étiez en about position. Your wife, a position Qu'en at the time, where was she? Où était-elle? Answer. I told the court already yesterday that I was standing in number seven. After our names were called, I and my wife were going to number seven. And before the time, we were stand in different lines. Nous sommes placés en septième position, et à ce moment-là, so I was the seventh couple who were called by Anka to make a resolution at the time. Pour prononcer lawyer, thank you very much. I understand pour it now. Notre résolution. So, can you tell the chamber about the distance between you and your wife at the time? So, quelle how far were you standing from one qui another? Vous séparait de votre femme à ce moment-là? Answer. We were 1 or 2 meters apart. Nous étions, répond le témoin, la partie civile, à 1 ou 2 mètres l'un de l'autre. Question. I am now asking you about the time after your marriage. Yesterday, you told the chamber already. However, I would like you to tell the exact time period. How long after your marriage did you consummate your marriage to your recollection? Avant que celui-ci ne soit consommé, d'après vos souvenirs. Answer. I do not recall the exact réponse. Date. It was long after the marriage la date that I consummated my marriage. Question. If you compared to the month, so do you recall
How many months after the marriage? Question. Et en termes de mois, vous souvenez-vous peut-être du nombre de mois à s'être écoulé? President, Mr. Civil Party, please wait for the microphone to turn on before Monsieur you answer. Monsieur de la partie civile, veuillez attendre que votre microphone soit allumé avant de répondre. Answer. I do not recall when I consummated the marriage. I did not have time to even count the days or a time. I was at the time waiting for the day to come. Question. Yesterday, you stated that you were called to be questioned from time to time because you did not agree to consummate the marriage or sleep with your wife. Do you recall how many times were you called to be questioned before you decided to consummate your marriage? Vous souvenez-vous du nombre de fois où vous avez été convoqué avant I was repeatedly by the group chief to study sessions from time to time, and that happened to my wife as well. I cannot recall how many times I was called. Et c'est également arrivé à ma femme, mais je ne me souviens pas du nombre exact de Question. Fois où j'ai été Besides convoqué. Besides that, were there any action taken against you? Et mis à part cela, quelles mesures ont été prises contre vous, s'il y en a? I do not know what kind of actions are to be taken against me. Lastly, I and my wife were given alcohol to drink during the Khmer Rouge time. I did not have any watch or clock to time. Je n'avais pas de montre pour mesurer le temps qui passait. Question. Yesterday, you testified that after you were given wine to vous drink, avez dit qu'on vous a donné you de l'alcool, and your wife got drunk, et qu'ensuite, and as a result, votre femme you et vous vous êtes enivrés, et que du coup, vous avez consommé le mariage. Can you tell the chamber whether the consummation that night was cette nuit-là? Voluntary and based on Avez-vous both consommé the feeling, le mariage your de façon and your wife's volontaire feeling? En fonction des sentiments que vous-même et votre femme ressentiez? I cannot tell you réponse. The intimate moment of the consummation. Je ne peux rien vous dire sur Question. Ce moment intime de la consommation like du mariage. I'd like to ask about your feeling before you consummated Question. The marriage. Je veux vous interroger sur votre état d'esprit avant la consommation du voluntary. Mariage. Est-ce que ça a été quelque chose de volontaire? What led you to have or to consummate the marriage Qu'est-ce qui vous a conduit à consommer occasion? Le mariage ce jour-là? Answer. I testified yesterday on this point. Hier, j'en ai parlé. And as I testified yesterday, I did not have any feeling for Comme any je l'ai woman. Dit, je n'ai aucun sentiment pour quelque femme que ce soit. Si vous m'écoutez attentivement, vous devez comprendre ce qu'est un transgenre comme moi. Si j'ai agi ainsi, c'est parce que j'avais peur d'être tué. Question. So you consummated Question. Your marriage because you were afraid si vous of avez being consommé killed. Le mariage, c'est donc par peur d'être tué? And why did you think that, Pourquoi pensiez-vous if you failed to consummate the marriage, you would be killed? Que vous seriez tué what were the reasons si vous ne consommez pas your le thinking? Mariage? Pourquoi pensiez-vous ainsi?
answer. Please repeat your question. Veuillez répéter la question. 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 You just mentioned that you vous venez de dire consummated the marriage que vous avez consommé le mariage parce que vous aviez peur d'être tué. And my question to you is, et moi, what were the je vous demande that led pour quelle raison consummate the marriage? Vous avez consommé le mariage. And if you felt to do so, what were the reasons that would lead you to selon have such vous, fear pourquoi of being killed? Éprouviez-vous une telle crainte d'être tué au cas où vous n'auriez pas consommé le mariage? Answer, it is difficult for me to respond to il your question. Il m'est difficile de répondre. I testified earlier that we were called for j'ai déjà dit que nous avons été convoqués en rééducation. Bien entendu, des mesures so. Étaient prévues contre nous au cas où nous n'agissions pas ainsi. Question. You said you were called for meetings for re-education on a number of occasions. Des réunions, des séances de rééducation à and plusieurs what reprises. I asked was about the measure, moi, and you said the last resort for them was to je vous ai interrogé sur les mesures wine, so qui ont pu être prises. With your wife. Vous avez dit qu'on vous a donné du what vin, about other measures? De l'alcool what, à vous et à votre what femme. Was behind your thinking that they would have other measures for you? Qu'est-ce qui vous faisait penser que d'autres mesures vous étaient réservées? Answer. Réponse. The measures they had taken against me was to send me for education la mesure and prise for study a été sessions, and de me convoquer I was threatened that if I did not de rééducation consummate the marriage, I would be killed. On m'a menacé en me disant que je serais tué si je ne consommais pas le mariage. Drink, nous avons reçu de l'alcool, nous l'avons bu, puis nous avons consommé le mariage. And please stop asking about the consommation of the veuillez marriage. Arrêter de m'interroger sur la consommation du mariage. Que pourrais-je I've encore ajouter? J'ai déjà tout dit. Question. Yesterday, you said that you question. Had a number of friends hier, who were transgender. Vous avez dit que vous aviez des amis transgenres. And that they were vous avez ordered dit to get married. Qu'on leur a refused, ordonné de se marier, so mais qu'elles ont refusé. Or they committed suicide. Vous avez dit qu'elles the se sont suicidées. Appartenaient-elles à la même unité que vous? And so no, réponse, we were not non. In the same mobile unit. Nous n'appartenions pas à la même unité itinérante. A commune. Elles appartenaient à une commune voisine. Question. Do you recall their names? Vous souvenez-vous de leurs noms? Réponse. No, I can't recall their names because they were non. In a different mobile car unit elles appartenaient and commune. À une autre commune, une autre unité itinérante. Tout ce que je savais, like c'est myself. Qu'elles étaient transgenres comme moi. Question. Did you have a chance to see them or to talk to them often? Avez-vous souvent eu l'occasion de les voir, de leur parler? Answer. Réponse. During this current time, I could speak or see anyone freely, but during aujourd'hui, the Khmer Rouge, je peux voir I did not even have time qui je veux librement, mais à l'époque, or to relieve myself je properly. N'avais même pas le temps let de faire correctement mes besoins, ni de prendre people. Les repas dans des conditions normales, sans parler même de pouvoir question. Bavarder avec autrui. If you did not have much time question. To speak to them, si vous how n'aviez did pas you learn that beaucoup they de temps themselves pour parler they, avec elle, to, comment avez-vous su qu'elle s'était pendue ou qu'elle s'était suicidée en avalant des médicaments? As I said, réponse. We were working comme je l'ai dit, nearby, and
It is unavoidable that we would learn something from another group près l'une de l'autre, et donc il était inévitable que l'on apprenne des choses sur les membres d'un groupe travaillant à proximité. Question. Did you learn of the event after you had married? Or was it before? Avez-vous appris cet événement avant ou après votre mariage? Answer, I testified yesterday. Réponse. That I Comme je l'ai dit hier, about that before I got married. Je l'ai appris avant d'être marié. Question. You knew that they either had themselves or they took pills to kill themselves. Se sont pendus ou qu'elles se sont suicidées en avalant des médicaments. How did you know that they committed a suicide because they refused to get married? Comment savez-vous que c'est parce qu'elles avaient refusé de se marier Answer. Qu'elles se sont suicidées? People spread the news around. La nouvelle a people circulé. Spoke about it and learned par le through those people. C'est ainsi que je l'ai appris. Question. And question. You know the person who told you about that? Savez-vous qui vous a rapporté cette information? Comment s'appelait cette personne? Was the person chief of a unit? Cette personne était-elle chef d'unité, membre d'unité? Réponse. During the Khmer Rouge regime, we had the liberty to go around and ask about people's position. Si nous avions pu circuler à notre guise et interroger les gens sur leurs fonctions, ça aurait été l'idéal. During the Khmer Rouge, I only heard about this. Mais sur les Khmer Rouge, I did not know about the name or the position of the person who spoke about the matter. J'en ai seulement entendu parler et je ne sais pas comment s'appelait la personne qui en a parlé ni quelle fonction elle occupait. Le président. 20 minutes de pause.